Il est dit dans 2 Corinthiens 2, it is said in the book of 2 Corinthians 2, au verset 17, verse 17, 2 Corinthiens 2, 17, 2 Corinthians chapter 2, verse 17, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais nous parlons de Christ avec sincérité comme de la part de Dieu et devant Dieu. For we are not as so many peddling the word of God, but as of sincerity, but as from God, we speak in the sight of God in Christ. Nous sommes au premier siècle ici, donc au début de l'Église. Here we are at the beginning of the church, the first century. Et déjà, la parole était falsifiée. And even there, the word of God was peddling. Vous vous rendez compte? Falsified. Do you realize this? Thank you. Donc, 2000 ans avant, 2000 years ago, cette parole était falsifiée par certains, par beaucoup. This word of God was falsified by many. C'est ce que Paul a constaté. This is what Paul has noticed. Pourquoi cette parole était-elle falsifiée? Why this word of God was falsified? C'est simple. It is simple. Parce que nous sortons de la parole. Because we come out of the word. Nous sommes les produits de la parole. Because we are the fruit of the word. Tout est né par la parole. All is born from the word. Avec la parole. With the word. Au commencement était la parole. At the beginning was the word. Nous dit Jean 1, et la parole était tournée vers Dieu, et Dieu était la parole. The word was turned towards God, and the word was God in the book of John 1. Donc la parole est notre fondement. It means that the word is our foundation. Notre racine. Our roots. Et si vous voulez détruire un arbre, and if you want to destroy a tree, il faut commencer par détruire sa racine. You need first to start from the si roots. Vous voulez renverser une maison, if you want to destroy a vous house, il faut commencer par raser, par détruire sa fondation. First of all, you need to start by the foundation. Pourquoi? Why this? Parce que la racine d'un arbre, because the roots of a tree, est indispensable, n'est-ce pas, à la vie, au salut des fruits. Is tout ça. Essential for life and for fruits. Sans la racine, without the roots, il n'y a pas de fruits. There's no fruits. Parce que ce sont les racines qui vont chercher profondément sous terre la sève because, dont les fruits et l'arbre ont besoin. Because it is the roots that will go deep down to take all that the tree will need. Alors, la source de la foi chrétienne, c'est la parole. So the source of the Christianity life is the word of God. Dieu ne fait rien sans avoir, n'est-ce pas, au préalable envoyé sa parole. God doesn't do anything without first of all sending his word. No, he doesn't. La parole nous dit dans le psaume, the word of God tells us, dans leur détresse, in their fortunate misery, ils invoquèrent Dieu. They cried out for the Lord. Et il envoya sa parole. And he sent his word. Et sa parole les guérit. And his word healed them. Alléluia. Praise God. Lorsque Dieu veut libérer une nation, when God wants to set free a nation, lorsque Dieu veut libérer une personne, when God wants to set free someone, il envoie la parole. He sends his word. Voilà pourquoi il a envoyé des prophètes. This is why he sent prophets. Des porte-paroles. People who will speak on his behalf. Des hommes et des femmes inspirés, ayant la parole inspirée. Men and women who had the inspired word from et cette God. Parole-là, and this word, elle est de plus en plus méprisée. Is more and more, despised. Certains apôtres, certains disciples du Seigneur lui disaient, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Some disciples of the world will tell me, this word is too hard, it's too harsh, who can listen to it? Vous savez pourquoi nous avons tant de problèmes? Do you know why we have so many problems? Vous savez pourquoi nos églises sont si malades? Do you know why our churches are so sick? Vous savez pourquoi nos pays sont si malades? Do you know why our countries are so sick? Pourquoi autant de corruption? Why there are so many autant de guerres? Wars? Parce que la parole de Dieu est méprisée. Because we despise the word of God. Dans cette parole, in this word, nous avons des instructions. We have instructions. Nous avons des commandements. We have commands. Nous avons des préceptes. We have laws. Nous avons des ordres. We have orders. Nous avons des principes directeurs. We have principles coming from God. Qui sont censés nous induquer, nous conduire, nous guérir, nous soigner. That are supposed to lead us, to heal us. Mais beaucoup n'en veulent pas. But many people do not want them. Et Satan est malin. And Satan is so clever. Satan se dit, he says, pour détruire ces hommes, in order to destroy men, ces femmes, women, qui croient en ce Dieu, who believe in this God, alors allons falsifier leurs paroles. Let's go and falsify their word.
Je suis allé en Côte d'Ivoire il y a quelques années en mission. A few years ago, I went to Ivory Coast in a mission. Et un frère est venu me voir. And a brother came to see me. Il m'a dit qu'il a travaillé pendant des années dans une société biblique. And he said he was working for many years in a biblical business society. Et il a dit comment cette société biblique était dirigée par des francs-maçons. And he was saying how Freemason was leading this business. Comment des versets bibliques étaient occultés, mal traduits. How biblical verses were not translated properly. Dans le but de cacher la vérité aux gens. In order to hide the truth for people. Alléluia. Praise God. La falsification de la parole de Dieu. We were talking about falsification of the word of God. Wow, il y a des gens dehors, de partout là. Il y a une grande soif. So many people. People are thirsty. Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Paul said, we do not falsify the word of God as many do. On a vu que la parole est le fondement de toute chose. We have seen that the word of God is the foundation of everything. Pourquoi il n'y a pas de guérison? Why plus de guérison no healing going on? Parce que la parole n'est plus respectée. Because we no longer respect the word of God. La parole. Word of God. Et malheureusement, l'ennemi a falsifié la parole à la base. Unfortunately, the enemy falsified the word of God at the beginning, at the source. Wow. Non, mais c'est pas. On peut, c'est pas correct. Faut éteindre les portables quand tu viens. This is not good. You need to switch off your phone. La solution pour l'humanité, c'est l'Évangile, la parole. Ça, on le sait. Solution for men, it is the word of God. We already know Alors, this. Regardez les choses qu'ils ont modifiées. Look what they have modified here. Qui a déjà entendu parler du Shabbat? Who has already heard about the Sabbath? Du sabbat. Tout le monde, hein? Sabbath. Everyone? Amen. Amen. Rassurez-vous, je ne veux pas vous demander d'observer le sabbat. Non. No, be quiet. I will not tell you to observe the Sabbath. Le sabbat parle de quoi? What does it talk about? Qui est d'accord avec la réponse? Le repos. Rest. Who agrees with this? Ok. Donc le sabbat parle du repos. Sabbath talked about the rest. Donnez-moi le nom de la personne, de la première personne, du premier être dans la Bible qui a observé le Shabbat. Give me the name of the first person who observed the Sabbath in the Bible. C'est qui? Who was he? C'est Dieu lui-même. Jesus Christ, God himself. Amen. Amen. La parole nous dit que Dieu va se reposer le septième jour. The word of God tells us that on the seventh day the Lord rested. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez que Dieu peut se fatiguer? Do you believe that God can get tired? Alors pourquoi il s'est reposé? Why do you think that he rested? Oui. Il a créé la terre. Because he created the earth. D'accord. Animals. Les animaux marins. Enfin, voilà, donne le micro. Parce qu'il a créé la terre, les animaux marins, la mer, la nature, les bestioles. Mm-hmm. Et, okay. Les bestiaux, voilà. Ouais. C'est... Mais maintenant, est-ce que tu penses qu'il était fatigué, Dieu? Non. Okay. Donc, toi, tu as la réponse. On va lui donner le micro. Oui. Il a créé l'homme aussi. L'homme aussi. D'accord. Mais on nous dit que Dieu, après avoir tout créé, il va se reposer. And we were told that after creating everything, the Lord had some rest. Ok, oui. Parce que tout était accompli. Ah! Because all was accomplished. Viens. Tu as quel âge, toi? How old are you? Tu as quel âge? 8 ans. Hein? J'ai 8 ans. 8 ans. I'm 8. Qui t'a donné cette réponse? Who gave you this answer? La parole. La parole. Oui. Mon Dieu. My God. 8 ans. He is 8 years old. Jésus est magnifique. The Lord is wonderful. La vérité sort de la bouche des enfants. Comes out from the mouth of the children. Eh bien, tu as donné la vraie réponse, la bonne réponse. You gave the correct answer. Dieu se reposait. God had some rest. Non parce qu'il était fatigué. Not because he was tired. Mais parce qu'il avait tout accompli. Because he had accomplished everything. Amen. Amen. Rappelez-vous bien de ceci. Remember well this. Le sabbat. Sabbath. Égal.
accomplissement. Means fulfillment. Yes. Amen. Amen. Donc le sabbat égale repos. So it means Sabbath means rest. Repos, accomplissement. Rest and fulfillment. Souvenez-vous bien de cela. Remember well. Vous allez comprendre pourquoi des versets bibliques qui parlent du sabbat ont été modifiés par le diable. You will understand why the devil changed some biblical verses talking about the falsification. Parce que Satan ne veut pas que nous soyons dans l'accomplissement de Dieu. It is because Satan doesn't want to be in the fulfillment of God. Fulfillment of God. Satan ne veut pas que nous bénéficions de ce que Dieu a accompli pour nous. Satan doesn't want us to benefit from what the Lord has accomplished for us, Jesus. Dans Matthieu 19:30, le Seigneur a donné une parole. C'est laquelle? In the book of Matthew 19:30, the Lord gave us something. Il a dit quoi? Tout est. All is done. Amen. Amen. Ok. Tout est accompli. All is done. Donc, nous ne faisons que bénéficier de ce que Dieu a accompli pour nous. So this means that we are benefiting of what the Lord has done for us. Alors, le sabbat, so it means Sabbath, repos, rest, accomplissement, fulfillment, a été, donc ce sabbat a été proclamé dans toutes les Écritures. So it means that this Sabbath was written in the whole Bible. Dieu, God, demande à ce que les hommes respectent ce repos-là. Ask men to respect this rest. Dieu voulait que les hommes soient dans ce repos. God wanted men to be in this rest. Aujourd'hui, je ne parle pas forcément du jour du Shabbat comme les gens l'observent religieusement. Non, ce n'est pas ça. Today, I'm not talking about what people do on Sundays. No, it's not about this. Je veux parler du Shabbat, le repos de Dieu. I'm talking about Sabbath, the rest of God. Regardez. Look. Quand vous prenez vos Bibles. When you take your Bibles. Tu as une Bible en quelle langue? In which language is your Bible? In Arabic. Est-ce que tu peux me prendre Matthieu 28, le verset 1? Et lire ça en arabe, s'il te plaît. Can you take the book of Matthew 28, verse 1? Verset premier, Matthieu 28. Matthew 28, 1. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. We do not falsify the word of God. Verset 1. Est-ce que tu peux le lire, si c'est possible, en arabe? We are reading the book of Matthew, chapter 28, verse 1. وفي اليوم الأول من الأسبوع بعد انتهاء السبت ذهبت مريم المجدلية ومريم الأخرى تدفقان القبر. Ok. D'après ce que tu as lu ici, according to what you have just read, Jésus-Christ est ressuscité quel jour? When did Jesus Christ rose? En arabe, qu'est-ce qu'ils disent? Quel jour? On which day? Le premier jour de la semaine. Le premier jour the de la day semaine. Of the week. Et en français? And in French. C'est écrit quoi? What is it written? Attends, deux secondes. On va donner le micro, frère, merci. Oui. C'est écrit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ok. Donc on nous dit après le sabbat. So we are told after the Sabbath. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie sont allées au sépulcre. Yes, the first day of the week, Mary went to see. Le premier jour de la semaine, c'est ça, non? The first day of the week, isn't it? Chez les Hébreux. In Hebrew. Le premier jour de la semaine correspond à quel jour? When is the first day for Hebrew people? Qui dit dimanche? Who says it's on a Sunday? Vous avez raison. Yes, you're right. D'accord, on est d'accord, hein? We agree with this. Et le septième jour, c'est le samedi. And the seventh day is d'accord? On Saturday, isn't it? Donc le premier jour, c'est dimanche. So it means the first day le is deuxième, on mardi, Sunday. Lundi, pardon. The second one is Monday. Troisième, mardi. Third, Tuesday. Quatrième, mercredi. Fourth, Wednesday. Cinquième, non, c'est ça, non? Oui? Le premier dimanche. First Sunday. Deux, lundi deux. The second one mercredi Monday, trois. Jeudi quatre. Vendredi cinq. Fifth. Non. Donc dimanche, premier jour de la semaine. Sunday, lundi, deuxième jour de la semaine. Monday, mardi, troisième jour de la semaine. Tuesday, third day mercredi, of the week. Quatrième jour de la semaine. Wednesday, jeudi, third, cinquième. Fourth.
vendredi 6e, samedi 7e. Merci. Saturday, 7th day of the week. Regardez. Look. Les traducteurs. Translated de la Bible. In the Bible. Aussi bien ceux qui l'ont traduit en arabe. Those who translated it in Arabic. Comme français en anglais. In French, in English. On traduit un mot grec. They translated a Greek word. Par semaine, premier jour de la semaine. They translated it as being the et first ce mot-là day of the ne week. Veut pas dire semaine. And this word doesn't truly mean c'est faux. Week. This is wrong. C'est archi faux. This is completely wrong. On nous a tous roulés dans la farine. We were all misled. Vous voulez entendre la vérité? John, listen the truth. Alléluia. Praise Alléluia. God. Praise God. Non, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter là? Qu'est-ce que nous? You're saying, what is he talking about? C'est ça, non? Isn't it? Bon, qui a internet sur son portable? Who has internet on his cell phone? Qui? Who? On vous autorise d'aller vérifier ce que je vous dis. You can go and check what allez I'm talking Google about. Allez sur Google maintenant. Go on Google right now. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Lord, save us. Nous parlons du Shabbat selon Dieu. We are talking about Sabbath according to God. Vous allez voir une vérité cachée qu'on nous a cachée pendant des années qui se trouve là-dedans. Là. You will see that there's a truth that has been hidden vous êtes for us qui est for sur Google. Years. Who Google? Is on Google? Google, vous tapez lexique biblique. And type biblical lexic. Lexique biblique. Lexique biblical. Biblique. D'accord? Tu as, qui est sur le site là? Ok. Who was on the website? Regardez sur à la gauche de l'écran, il y a écrit Louis II Strong. Qui a vu ça? Louis II Strong. Vous cliquez sur Louis II Strong. Vous y allez? Vous y êtes là, c'est bon? Are you there? Voilà. Donc, Louis II Strong, qui est dessus? Who is there? Ok, maintenant, allez en bas et mettez, cherchez Matthieu, vous mettez Matthieu 28. And then look for the book of Matthew 28. Matthieu 28. Matthew chapter 28. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. You shall know the truth and the truth okay. Shall set you free. Ok. Maintenant, vous y êtes là sur Matthieu 28 là? Are you there? Qui est dessus? Who is there? Ça charge. Ok. Tu es là? Loading. Regarde. Ah, ça charge. Ok, c'est bon, tu y es. Maintenant, tu vas lire Matthieu 28, 1. Tiens, viens ici avec moi, s'il te plaît. Vous allez voir des choses qu'on vous a cachées, qu'on nous a cachées. Et... on est là, on aime la parole, hein? On aime la parole et la parole nous libère. Voilà, on ne veut plus que cette parole soit falsifiée. Voilà pourquoi on a fait plusieurs révisions. Et celle qui va sortir là, ça va vraiment beaucoup nous éclairer encore sur des vérités cachées. Alors, tu peux lire verset 1. Okay. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de après la semaine. Après le sabbat. À l'aube okay. Du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ok, donc après le sabbat, tu peux cliquer sur sabbat. C'est l'école. We're in the school. On télécharge. It's loading. Ah ouais, pas de souci, il y a la patience. Bon, dis-moi, c'est quoi le terme grec là? Tell ça vient de quoi? What's the Greek Sabbatoun. Sabbatoun. Sabbatouni. Tu peux, épelle-le-moi. S-A-V-B-B-A-T-O-S-A-V. On va l'écrire comme c'est... Là, c'est la prononciation grecque. Ah. Là, le deuxième. Okay. S-A-B-B-A-T-O-N. Ok. C'est ça, non? Oui. O-N. T-O-N. Hein? T-O-N, oui. Sabbaton, on est d'accord, hein? Qui signifie quoi? Sabbaton. Qui signifie le septième jour de chaque semaine qui était une fête sacrée pour laquelle les Israélites devaient s'abstenir de tout travail. Le septième jour. Donc ça, c'est le premier mot, le premier sabbat. Ok. Sabbath. Reviens en arrière. Vous suivez là jusqu'à présent là? Do you follow? Ok. Tu vas cliquer maintenant sur le mot et premier pour voir si c'est vraiment premier. Click on the word first to check if it is true. Okay. C'est bon, j'y suis. C'est premier? Un seul,
Donc, ce n'est pas premier. Là, c'est plutôt là-dessus. Seulement un. Quelqu'un. OK. D'accord? Donc, c'est, ce mot-là ne signifie pas premier, mais un. Reviens en arrière. One. Tu vas cliquer sur semaine pour vérifier si c'est vraiment semaine. Check the word week if it's c'est quoi? True word. What is it? C'est semaine ou c'est autre chose? Is it a week or something non, else? C'est pas semaine. C'est quoi? No, it's not a le week. Septième jour de chaque semaine qui était une fête sacrée pour laquelle les Israéliens devaient s'abstenir de tout travail. It is the seventh day. Donc, of c'est quoi le mot grec? Sabbaton. C'est le même, non? It is sabbaton in Greek. Est-ce que vous avez compris? Alors, qui n'a pas compris? Who hasn't understood anything here? C'est normal. It's normal. Regardez. Look. Il faut aller doucement, doucement. On va aller doucement. Let's take our time. Ça vous intéresse ou vous voulez seulement les miracles? Are you interested in this or just qui veut la miracles? Parole d'abord? Who wants first of all the word of God? Ok. Dans Matthieu 28:1. In the book of Matthew 28:1. Le mot sabbaton. The word sabbaton. Est utilisé deux fois. Is used twice. Il y a deux fois sabbaton. You can find two times the word sabbaton. Le premier sabbaton. The first sabbaton. Ils l'ont traduit correctement par sabbat. They translated properly correctly by Sabbath. Mais le deuxième sabbaton. But the second sabbaton. Ils l'ont traduit par dimanche. They translated it by Sunday. Est-ce que le samedi c'est le dimanche? Is Saturday Sunday? No, it's Dis-toi, not. Mensonge. Tell your neighbor lie. Mensonge. Tell your neighbor lie. Oh, 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 on va aller doucement là, on va aller doucement. Let's take our time. Let's go slowly. Alléluia. Praise God. C'est une Bible en chinois? En quelle langue? Bible in Chinese. Cambodgien. Donc, est-ce que tu peux nous lire ça en cambodgien? Can you read si c'est possible. Matthieu 28:1. Matthew 28:1 in Cambodian language. C'est une grâce d'avoir enfin entendre la parole en cambodgien. C'est une grâce, frère. It is a grace si ce n'est pas Jésus, qui peut nous faire cette grâce-là? It is a grace. Vous voulez qu'on acclame le Seigneur pour nos frères et sœurs du Cambodge? Alléluia! Gloire à Dieu. Je lis jusqu'à quel... Juste le verset 1. Verset 1 28:1. D'accord. 28:1. Père Jésus, bien prêt, John Ruh Langwin. ក្រោយថ្ងៃឈប់សម្រាកការរៀបនឹងចូលថ្ងៃទី1ក្នុងអាទិត្យនោះមារាជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានិងមារាមួយទៀតក៏នាំគ្នាទៅមើលផ្លូវ Wow. Est-ce que là aussi on parle du premier jour de la semaine? Are we talking about the first day of the week? C'est le premier jour dans la semaine. Voilà. Yes. Même en cambodgien, ils nous ont roulé dans la farine. Even in Cambodian, we have been misled. Alléluia. Praise God. Attends, vous avez compris ou pas? Have you understood? Donc, là où ils ont dit le premier jour de la semaine, ce n'est pas le premier jour de la semaine. Where they said the first day of the week? No, it's not the first day of the week. En fait, ça donne... ça, un sabbat. It means a Sabbath. Ça donne ceci. Après le sabbat. After the Sabbath. Parce qu'il y avait deux sabbats cette semaine-là. Because on this week there were two Sabbaths. Le premier sabbat. The first Sabbath. C'était la Pâque. It was Passover. Vous avez compris? Have you understood? Parce que toutes les fêtes de Yahweh étaient des Pâques. Because étaient de sabbat. All the feasts of Yahweh were Passover. Est-ce que vous savez que le Seigneur est mort à la Pâque? Qui le savait? Do you know that the Lord died in the OK. Sabbath? Donc, quand vous lisez après le sabbat, so when you read after the Sabbath, c'est-à-dire après le sabbat de Pâques, it means after the Sabbath of Passover. Vous comprenez ou pas? Do you get me? Qui ne comprend pas encore? Who doesn't understand? OK. Je me répète. Let me repeat myself. Donc, la semaine où Jésus est mort, so it means the week that Jesus died, il y a eu deux sabbats. There were two Sabbaths. Le premier sabbat, the first Sabbath, c'était la Pâque. It was Passover. Vous vous rappelez de la Pâque? Do you remember about Passover? Là où, c'est la fête où l'agneau était immolé. It was the feast where the lamb D'accord? was been burned, isn't it? Et le deuxième sabbat de cette semaine-là, and the second Sabbath of this week, c'est le sabbat hebdomadaire. It is the day, the weekly Sabbath. C'est-à-dire le septième jour de la semaine. It means the seventh day of le the week. Le samedi. It was on Saturday. Vous comprenez? Do you get me? OK. D'accord? All right. Donc quand nous lisons après le sabbat, so it means when we read after the Sabbath,
Le sabbat, le premier sabbat là, c'est le sabbat de la Pâque. The first Sabbath, it is the Sabbath of Passover. D'accord? Isn't it? Ce n'est pas le sabbat de la semaine. It is not the weekly Sabbath. Le deuxième sabbat, the second Sabbath, c'est le sabbat de la semaine. It is the Sabbath of the week. Donc ce jour-là, cette semaine-là, il y avait deux sabbats. It means on that same week, there were two Sabbaths. Maintenant, les religieux, so religious people, en commençant par Constantin, l'empereur romain, Constantine, the Roman Empire, qui adorait le dieu soleil, who was worshiping the god sun, ils ont décidé, donc l'église catholique, the Catholic, tous ont décidé, the Catholic Church decided que le deuxième sabbat, that the second Sabbath, devait être transformé en dimanche, that was need to be changed to Sunday. Donc après le sabbat de la Pâque, it means that after the Sabbath of Passover, il y a eu le deuxième sabbat de la semaine, they had the second le samedi. Weekly Sabbath. It was on Saturday. Quand les femmes sont allées ce samedi matin au sépulcre, so it means on Saturday, when this Jésus n'était pas, n'était plus là. God tombs, they didn't see Jesus. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? Alléluia. Praise God. Est-ce que vous comprenez? Do you get me? Jésus n'est pas ressuscité un dimanche matin. Jesus was not risen on a Sunday morning. On nous a menti. We have been misled. Alléluia. Praise God. Attends. Wait. Le sabbat commence quel jour? When did the Sabbath start? On which day? Vendredi soir. It starts on Friday evening. Qui est d'accord avec ça? Who agrees with this? Ça commence à quelle heure? At what time? At 18h. Le vendredi. On Friday evening. D'accord? All right. Voilà. Ça finit le lendemain à 18h. It ends on the day after on 6 p.m. Écoutez maintenant la parole. Listen carefully the word of God. Écoutez l'évangile. Listen the gospel. Écoutez frère. Listen brethren. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Lord, save us. En fait, Jésus guérissait essentiellement les gens quel jour? So it means that Jesus was healing people. Le jour de sabbat. On the day of Sabbath. Il a dit que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. He said the Son of Man is the master of the Sabbath. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. He said, come to me all those who are heavy burdened, I will give you rest. Or, le repos égale sabbat, le sabbat égale repos. So it means Sabbath means rest, rest that is Jesus. Accomplissement. Fulfillment. Amen. Amen. Donc, sa résurrection, so it means his resurrection, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. It is the fulfillment of the promise of God. C'est pour cela qu'il est ressuscité le sabbat. This is why he was risen on Sabbath. C'est-à-dire le vendredi soir. It means he was risen on Friday evening. Écoutez. Listen. Vous allez me dire, frère Jean, qu'est-ce que tu nous racontes là? You will tell me, brother Jean, what are you talking about? Where is disturbed? On est perturbé. Qui est perturbé là? Who is disturbed? Ben, la réforme arrive. Reflection is coming back. Écoutez, s'il Listen vous plaît. Carefully. Vous êtes là? Are you here with ça me? Vous intéresse ou ça ne vous intéresse Are you interested pas? On all this? Vous allez connaître le Dieu du Sabbat. You will know the God of Sabbath. Son nom, c'est Yeshua. His name is Jesus. C'est pour cela que, mes amis, friends, my friends, Dieu se reposait quel jour? When did the Lord rest? C'est le sabbat qu'il a dit tout est à. It is on the Sabbath that he Donc said, quand on rentre dans le sabbat de Dieu, it means that when we go in the Sabbath of on God, expérimente la puissance de la résurrection. We experience the might of resurrection. Je ne vous dis pas d'aller observer le sabbat comme I'm jour. Not telling you to go and observe Sabbath as C'est a dans day. L'esprit qu'il faut comprendre no, cela. No, you need to understand this in spirit language. Écoutez, Listen écoutez. Carefully. Écoutez, Listen up. Vous vous rappelez dans Actes 20, Do you remember in the book of Acts 20, on nous dit que le premier jour de la semaine, les disciples s'étaient réunis pour rompre le pain. We were told that on the first day C'est ça, of non the week, the disciples came to Ce n'était pas to le premier jour de la semaine. No, it wasn't the first day of the C'était week. Un sabbat. It was on the Sabbath. Oh Jésus. Qui est troublé? Who is troubled here? Qui est troublé? Who is troubled. Allons dans le lexique biblique, frère. Let's go frère. In lexique biblique. En fait, on aime this. Tellement la parole qu'on veut vous partager ces choses-là. Brethren, we love the word so much that we want to share this with you. Regardez. Look carefully. On va prier pour les malades, y a pas de problème. We'll pray for sick le people. Seigneur est là. The Lord is here. Oh, le Seigneur va guérir ce bras-là au nom the de Yeshua. The Lord will heal this arm in the name of C'est Jesus. C'est déjà guéri au nom de Yeshua. It's Dieu t'aime beaucoup. Healed. Dieu voit tes pleurs, tes the larmes. Loves you. He au nom sees de Yeshua, Dieu aime cette famille. The Lord loves this family. Acte 20. We are in the book of Acts 20. Le verset 7. Verse 7. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Lord, save us. Le dimanche est devenu le jour du Seigneur. On Sunday, c'est grave. Sunday became the day of the Lord. Tu y es là? Regarde. Tu peux venir s'il te plaît? Can you come forward, please? Regarde.
Tu peux lire le verset 7? Verse 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il plongea... Oui. Ok, alors, clique sur... Premier. Tu vas voir que ça donne un, comme on avait vu là. Ah oui. C'est ça, non? Seulement un. On est d'accord? Reviens en arrière. Clique sur, semaine. If you click on week, on the word week. Ah ouais. T'as vu le choc, hein? Oui. C'est quel jour, là? On which day is it? Le septième jour de chaque semaine qui était une fête sacrée. The seventh day of each week. Oh, yo. On n'entend pas. Attends. Quel jour Paul s'est réuni avec les disciples pour rompre le pain? Le septième jour de chaque semaine. C'est moi qui le dis ou c'est écrit? C'est écrit. It on the seventh day of every week and this is written. Alléluia. Saying it. Praise God. Je vois des bouches. I can see some mouth. Qui est choqué? What twist? Who is shocked here? Hein, Alain? Quand on en a partagé là, t'avais du mal, hein? Alain était ancien dans une église pendant des années et là, il découvre qu'on a été menti. Our brother was an elder for years in a church. Attention, je ne dis pas qu'il faut maintenant commencer à observer le samedi comme jour du Seigneur. C'est pas ça. I'm not saying that you need to observe Saturday as the day of the Lord. No, it's not about this. Je veux simplement vous montrer à quel point I just want to show you la parole de Dieu a été souvent falsifiée. How the word of God was falsified. Pour justifier la religion in order to des justify hommes. Men's religion. Et pendant des années, years, on nous a fait croire we have been told que le dimanche Sunday est le jour du Seigneur is the day of the Lord. Et ceux qui travaillent le dimanche pêchent. And those who work on Sunday sin. Il y a même des chrétiens qui n'arrivent pas à s'occuper de leur famille parce qu'ils se disent « Je dois, hein, nous devons respecter le dimanche. » There are even some Christians who cannot take care of their family on Sunday because they say that we need to respect the Sunday, the day of Sunday. Prétextant saying que Jésus est ressuscité le dimanche, that Jesus has been risen on Sunday, que Paul rompait le pain avec les disciples le dimanche, that Paul was breaking the bread with the disciples on a Sunday, lundi soir, on Monday evening, il y aura une émission spéciale, that we'll have a special on va program. Creuser tout ça, vous allez voir les pères de l'église qui adoraient le soleil will, et qui ont adoré le dimanche. You will see the fathers of the church who are worshiping the God's Son. Vous Sunday. Allez comprendre pourquoi il nous faut une réforme profonde. And you will understand why we need a deep reform. Pourquoi Dieu attire autant de foules comme ça? Why c'est pour être réformé. Why the Lord is attracting a crowd like this? It's in order to be reformed. L'Église catholique, the Catholic Church, avec des pères de l'Église, with the fathers of the church, avec Constantin, l'empereur romain, with the Roman Emperor Constantine, nous ont imposé beaucoup de choses, dont le dimanche. Has told us many things, such as on Sunday. Vous êtes là? Are you here with me? Alléluia! Praise God. Regardez comment on a mis ça dans la nouvelle traduction. Luke, quelqu'un peut aller sur le site de la BJC? What's written in the new translation? Ah, c'est magnifique ce que Dieu fait. On BJC. It's wonderful what the Lord is doing. Le Shabbat du Seigneur. The Sabbath of the Lord. Attendez, n'allez pas dire le frère dit qu'il faut commencer à prier tout le samedi. Non, c'est pas Do ce que je dis. Go and say the brother asks us to pray every Saturday. No, this is not what I'm saying. Je mets l'accent aimé sur le repos du Seigneur dans l'esprit. I'm emphasizing on the spirit, in spirit, Amen. About the rest of the Lord. Jésus a guéri les gens le sabbat. The Lord Plus. Healed people in the Sabbath. Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. He said that he is the master of the Sabbath. Et la parole nous dit que Jésus nous donne le repos véritable. And the word tells us that Jesus gives us the true rest. Et il est ressuscité le sabbat. And he was risen on the Sabbath. Il est mort pendant la Pâque, le sabbat de la Pâque. Passover. Il est ressuscité le sabbat. And he was risen on the Sabbath. Tu es sur le site? Non. Ok, tu voulais? C'est pas facile. It's not easy. En fait, parce que quand ils l'ont mis au tombeau. D'accord. La veille du sabbat. Avant le premier sabbat. Ok. La Pâque. Ok. Et donc il est ressuscité un samedi, hein, effectivement. Oui. Donc il a été, on peut dire qu'il a été mis au tombeau le mercredi. Oh, tu vas comprendre. En fait, c'est pas, tu vas comprendre. On va expliquer, on va finir par là. Okay. Très bien, on est tous secoués, hein. Yeah, nous tous quand on a vu, oh Seigneur, like, oh, on se disait, on modifie, on change ça, on explique aux frères, est-ce qu'ils vont pas nous lapider? On dit non, la vérité reste la vérité. The truth is the truth. So qui est sur le site de la BJC? Who was on the website of the BJC? Ok, Matthieu 28, on va te donner le micro, tu vas nous lire ça, c'est possible? Tu peux venir avec nous s'il te plaît? Alléluia, gloire à Dieu.
Il y a quelqu'un ici que le Seigneur est en train de guérir du diabète. There's someone here that the Lord is delivering healing from diabetes. Tu peux nous lire ça, comment on a mis ça? Maintenant, regarde, c'est beau, c'est magnifique. This is wonderful. Mais après le sabbat. Après le sabbat, ça c'est la Pâque. À l'aube d'un sabbat. À l'aube d'un sabbat. Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Alors. Vous avez entendu? Have you heard this? Plus fort encore, c'est plus près de la bouche, s'il te plaît. Mais après le sabbat. Après le sabbat, donc ça c'est le sabbat de la Pâque. À l'aube d'un sabbat. À l'aube d'un sabbat, ça c'est le sabbat de la semaine. At dawn the Sabbath of the week. Donc, à l'aube d'un sabbat, c'est-à-dire tôt le matin, le samedi. It means early on Saturday in the morning. De la semaine. Of the week. Marie de Magdala et l'autre Marie sont partis au sépulcre. Mary went to see the tomb. D'accord? You see. Ok. Alors, prends-nous Marc, chapitre 16. Let's go in the book of Mark, chapter 16. Verset 1er. First verse. C'est bon. Et lorsque le sabbat fut passé. Lorsque le sabbat fut passé, ça c'est le sabbat de la Pâque. Now that the Sabbath was passed. Voilà. Marie de Magdala, okay. Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Donc, voilà, ça c'est le premier sabbat. Alors, verset 9. Verse 9 now. Here we are talking about the first Sabbath. Jésus étant ressuscité le matin du premier sabbat. Ah, Jésus étant ressuscité le matin when du premier sabbat. Le matin du premier sabbat. Oh, écoutez, on nous parle du premier sabbat. We were told about the first Sabbath. Pourquoi? Posez-moi la question pourquoi. Why this? Ask me why. Pourquoi le premier sabbat? Why the first Sabbath? Parce que de la Pâque. Because from the Passover. À la Pentecôte. To the Pentecost. Dieu disait qu'il fallait compter sept sabbats. The Lord said that we should count seven ben Sabbaths. Voilà. This is why. Vous comprenez? Do you understand me? Oh Seigneur, comment oh, ils ont falsifié ta parole comme ça là? How has they falsified your word like this? Donc Jésus a été arrêté. Un lundi dans la nuit. It means that Jesus was arrested on Monday. Écoutez. In the night. Ça vous intéresse? Listen, are you interested with this? Lundi dans la nuit. At night, lundi, Monday at night. Le lundi de la Pâque. On Passover. Jésus va dans le Gethsémané après avoir pris le repas du Seigneur. After taking the food meal of the Lord, Jesus went in the Gethsémané. La nuit. And at the night time. Judas vient avec des Juifs pour l'arrêter. And Judah came with some Jews in order to arrest him in Roman le soldiers. Lendemain. And the day after. Mardi à 9h. On Tuesday at 9. Vous êtes là? Are you there? Jésus va être crucifié. Jesus will be crucified. Amen. Amen. Vous êtes là? Are you there? Vous êtes là? Are you here? Alléluia. Praise God. Il est resté 6 heures sur la croix. And he stayed 6 hours on the cross. Pour réparer les 6 jours de la création. In order to repair the 6 days of the creation. Qui représente le chiffre de l'homme. That represents the Hallelujah! Praise God. Wow, Seigneur. Oh Lord. Non, je l'aime I ce Jésus. I love him. I love this Jesus. J'aime la parole. I love the word. Vous n'avez pas compris. We haven't understood. Jésus. Jesus. A été crucifié à 9h du matin. Was crucified 9 in the morning, 9 a.m. Il est resté 6 heures sur la croix. And he stayed 6 hours de 9h à 15h. From 9 a.m. to 3 p.m. Pourquoi 6 heures? Why 6 hours? Dieu a pris 6 jours pour créer le monde. Because Jesus took 6 days to create et the whole 6 world. Est le chiffre de l'homme. And 6 is the man, Dieu number of men. Est dans le 7. Jesus is in the seventh. En restant 6 jours à la croix, 6 heures, by staying 6 hours il a réparé les 6 jours de la création. He repaired the 6 days of creation. C'est-à-dire il a réparé l'homme. So this means that he repaired il a réformé man. L'homme. He reformed men. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. À 15h. At 3 p.m. Il était toujours à la croix. He was still on the cross. Nous sommes mardi. We are on Tuesday. On a pris son corps. So we took his body. On l'a mis dans un sépulcre. And we put him in a tomb. À 18h. At 6 p.m. Juste avant 18h. Donc, mardi 18h. So it means Tuesday at 6 p.m. C'est le début de mercredi. It is the beginning of Wednesday. Donc, ça fait mardi 18h. So it means from Tuesday 6 p.m. Mercredi 18h. Wednesday.
6 p.m. Il y avait un jour et une nuit. So it was one day and one night. Mercredi 18h. And then on Wednesday at 6 p.m. Jeudi 18h. Thursday at 6 p.m. Deux jours, deux nuits. 2 days, two nights. Jeudi 18h. Thursday. Vendredi 18h. Friday 6 p.m. 3 jours et 3 nuits. 3 days, three nights. Donc le vendredi. So it means on Friday. 18h. At 6 p.m. Au début du Shabbat. At the beginning of the Sabbath. Jésus, qui est le maître du Shabbat. Jesus, who is était the sorti. Came out. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Jesus! Jesus! Wow! Wow! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Praise God! Il est mort. He was dead. Pendant la Pâque. During Passover. Pourquoi? Why this? Dieu God dit à Abraham, told Abraham, donne-moi ton fils. Give me your son. Celui que tu aimes. The one that you love. Ton unique fils. Your only son. Abraham prend l'enfant. So Abraham took his child. Il va pour le sacrifier. And he went to sacrifice Dieu him. Lui dit non. But the Lord said to him, no, non. Not, no. Mais avant que Dieu lui dise non, but before God telling him Isaac to stop, demande à son père. Isaac asked his father. Il dit, il y a le feu. He said, there, here is the fire. Il y a le bois. There is la the croix. Wood, the cross. Mais où est l'agneau? But where is the lamb? Où est l'agneau? Where is the lamb? Où est l'agneau? Where is the lamb? Tout le monde cherchait l'agneau. Everyone was looking for the lamb. Car lui seul peut nous libérer, because frère. He is the only one who can set us free, brother. Hallelujah! Praise God. Hallelujah! Praise God. Jésus dit, Jesus said, tous ceux qui sont venus avant moi, all those who come before me, tous ceux qui étaient avant moi, those who were before me, hallelujah, praise God, tous ceux qui étaient avant moi, those who were before me, étaient des brigands, they were thieves, c'est-à-dire ce n'étaient pas des agneaux, so they, this means c'était that they were des boucs, lambs. They were c'était goats. Des loups, they were wolves. Personne n'avait la réponse. No one had the answer. Dieu donne un animal, mais ce n'était pas un agneau, c'était un bélier. Jesus did not give an animal, it wasn't the lamb. Mais on demandait l'agneau. And we were asking for c'est-à-dire the lamb. Le bébé. So we were asking for the baby. Qui était innocent. Who was innocent. Et là, and then, plusieurs temps après, so many periods after, Jean-Baptiste many time after, John the vient. Baptist came, et il voit quelqu'un qui marche de manière digne, magnifique. Who was walking like a gentleman, Jean était avec ses disciples. Worthy, and John was, he's with his il regarde cette démarche particulièrement and particulière. Looking at this special walking. Une démarche excellente. And this was an excellent walking. La démarche walking. Royale. This is the royal walking. Une longue robe qui traînait comme ça et qui apportait des guérisons et des miracles. He had a long garment that was performing miracles and healings. Il s'arrête sur ses disciples. And then he stopped at his disciples. Il dit, j'ai la réponse. And he said, I have the answer. La réponse d'Isaac. The answer of for la réponse Isaac. À la question d'Isaac. The answer for the question of il dit, Isaac. Voici l'agneau said, de Dieu. The lamp of God. Hallelujah. Praise the Lord. Oh. Wow. Frère. Brethren. Frère. Brethren. On a pris cet homme. We took this man. Notre doudou chéri. Our honey. Notre bien-aimé chéri. Our beloved honey. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. L'homme le plus beau. The beautifulest man. Le Dieu le plus glorieux. The greatest man, God. On l'acclame. May we give a c'est Jésus-là. This is Jesus. Wow. Wow. Hallelujah. Praise God. Frère. Brethren. Ce soir, Jésus est là. Tonight, Jesus is here. On l'a pris. We took him. On l'a d'abord amené chez les religieux. First of all, they brought him to religious people. Les religieux l'ont examiné. And religious people examined him. L'ont examiné. They were looking at him. Parce que avant que l'agneau pascal ne soit accepté, tout le monde devait l'examiner. Before the lamb of Passover to be accepted, everyone had to examine him pour first. Pour vérifier qu'il n'y avait aucun défaut. To check that there was no failings, no blemish. Les religieux l'ont examiné. And religious people examined him. Ils ont trouvé de faux témoins. And they took a fake. Mais false witnesses. Mais leur témoignage ne concordait pas. And their witnesses wasn't correct. Donc ils ont trouvé qu'il était pur. So they found that he was a pure. Et ils ont dit pure. Quoi? And they said, what did they say? Il mérite la mort. He deserved death. Ben oui, parce qu'il est pur. Because he is pure. Parce qu'il fallait un animal pur. Because an animal that was to be killed. Maintenant, ils l'ont pure. Fait examiner par des païens. And then pagan gentiles examined him as well. Pilate.
Pilate, un Romain, a Roman, il a examiné. He examined him. Il a examiné. He examined Il a examiné. He examined the il a dit non. And what did he say? Il est juste. He is righteous. Sa femme his wife envoie quelqu'un dire à son mari, send someone to tell his chérie, husband, darling, cet homme this man est juste. Is righteous. J'ai souffert toute la nuit à cause de lui. I have suffered the whole night because of him. J'aime Jésus, mon I Dieu. I love Jesus. Aïe, 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 aïe. Oh, yes, I do. Une fois qu'ils l'ont examiné, when they have examined him, la législation romaine l'a examiné. The legislation Romans examined him as la well. Babylone politique l'a examiné. Political Babylon also examined la Babylone him. Religieuse l'a examiné. Religious Babylon also les examined deux him. Ont dit and, il est pur. And both say that he is pure. Pilate prend Jésus. And Pilate took Jesus. Il va voir le peuple. And he went to see the people. Savez ce qu'il a dit? And do you know what he said? Jean avait dit voici l'agneau. John said here mais is Pilate the a dit voici l'homme. And Pilate said here is hey! The man. Hallelujah! Praise God. Hein? Il a dit voici l'homme. He said here is the man. Posez-moi la question quel homme? Ask me what l'homme man? De Galilée. The man of Galilee. Hallelujah! Praise God. Hallelujah! Praise God. Attends, 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 wait, attends, attends. Wait, wait. Il dit voici l'homme. He said here is the man. C'est-à-dire le chef de l'humanité. It means the master, the chief le of modèle humanity. Parfait. The perfect role model. Il dit je l'ai examiné. He said I have examined il him. Il sait parler aux femmes. He knows how to speak to women. Je l'ai examiné. I have examined il him. Sait parler aux enfants. He knows how to speak to je children. L'ai examiné. I have examined il sait him. Parler aux pères. He knows to speak il sait fathers. Parler aux femmes. He knows to speak aux mamans, moms, aux bébés. Babies. L'homme parfait. The perfect man. Regardez sa démarche. Look carefully how he works. Il est excellent cet he homme. Is excellent. This man is excellent. Jésus. Jesus. Et là la Pâque était là. Hein? And Passover was going on. Donc il fallait l'agneau. So the lamb was needed. Et l'agneau est allé sur la croix. And the lamb went on the cross. C'est le premier sabbat. This is the first Sabbath. Le premier sabbat. The first Sabbath. Et pendant le premier sabbat. And during the first Sabbath. La Pâque. Passover. Il a dit tout est accompli. He said all is done. Tout est accompli. All is done. Mais pour que cet accomplissement ait n'est-ce pas soit devienne effectif. And for this, for all this fulfillment to be, il fallait la résurrection. To be valid, he needed to be righteous. La mort, c'était la Pâque. Death was Passover. Le premier sabbat et le deuxième sabbat Sabbath, and the second était réservé pour la résurrection. He was risen up. This was deux sabbats. Voilà pourquoi Paul dit. This is why Paul said, notre foi our faith est basée sur la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. The c'est ça l'évangile. The risen up of Jesus Christ. This is the gospel. Les deux sabbats. The two Sabbath, la mort the death, et la résurrection. And the resurrection. Donc, it means, il n'est pas ressuscité un dimanche. He wasn't resurrected on a Sunday. Mais le vendredi soir. But on Friday evening, en début du sabbat, in the beginning of the Sabbath, et le lendemain matin, samedi matin, and Saturday morning, tôt le matin, early in the morning, le septième jour de la semaine, on the seventh day of the week, les femmes arrivent women au sépulcre. To the sepulchre. Nous sommes le sabbat. To the tomb. Qui peut nous rouler la pierre? This is the Sabbath. Oh. Who can open the stone? Oh. Who can mais move elles the stone? Ne savaient pas. But they didn't know que le maître du sabbat that the master of the n'était Sabbath plus là, frère. Was no longer hallelujah! There. Praise God. Hallelujah! Praise God. Wow! Wow! La Bible dit. The Bible says. Ce même sabbat là. This same Sabbath. Le soir. In the evening. Jésus va apparaître aux disciples là où ils étaient enfermés. Jesus will appear to the disciples where they were enclosed. Parce qu'ils se réunissaient le sabbat. Because they were gathering on the Sabbath. Il va leur apparaître pour leur dire. He will appear to them and say. Que la paix soit avec vous. And say may peace be with you. Je veux vous présenter ce Jésus. I want to present you this Jesus. Tu es fatigué? Are you tired? Voici le sabbat de Jésus. Here is Jesus Sabbath. Et tu sais que le sabbat porte un nom? Do you know that Sabbath has a name? Donc nous ne sommes plus dans l'observance des jours. It means that we are no longer observing days. Mais en fait le sabbat. But Sabbath. C'est Jésus. It is Jesus himself. C'est Jésus. It is Jesus himself. C'est Jésus. Yes, it is Jesus c'est himself. C'est Jésus. Jesus Christ c'est himself. C'est Jésus. Jesus Christ himself. Jesus. Jésus. Voilà pourquoi il a dit. This is what he said. Je suis la résurrection. I am the resurrection. Ah. Regardez. Look. Quand il est ressuscité, when he rose, la Bible dit he said, qu'il est ressuscité avec plusieurs saints. The Bible said that he was risen with many bien sûr, holy people. Yes, of course, obviously. Pour les faire rentrer dans le repos. In order for them to get in oh, peace. Oh Jésus. Jesus. Oh Jésus. Jesus. Wow. Wow. Tu es fatigué? Are you tired? Il y a une solution. There is a solution. Je dirais il y a la solution pour toi. I want to tell you there is this solution. Tu en as marre? Are you tired? Tu as peur de l'enfer, de la mort? You fear death, hell?
Le sabbat est là. Sabbath is here. Le sabbat est là. Sabbath is here. Ce n'est pas un homme. It is not a man. Qu'il faut chercher. That you need to seek. Jésus. Jesus. Je te dis, il est beau. He is beautiful. Il est excellent. He is excellent. Il est magnifique. He is magnificent. Il est glorieux. He is glorious. Il est Il est oh. Attends. Luc 24. Luc 24. Ça vous intéresse ça? Book of Luke 24. Luc 24. Luke 24. Ça va pour le frère? Are you okay? Alléluia. Donc le dimanche, hein, tu peux aussi dormir chez toi parce que c'est pas le jour du Seigneur. Je dis pas qu'il faut pas se retrouver le dimanche. Peu importe le jour, mais l'essentiel c'est de comprendre que Jésus est notre sabbat. It means that on Sunday you can rest at home. À la BGC. En ligne. En ligne. Qui l'a? Qui? Ouais, tu l'as? Ouais, ok. Luc 24, je peux? Luke 24. S'il te plaît. Regardez ici. Look here. Mais un sabbat. But a Sabbath. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Early in the morning, they went to the sepulchre. Avant, c'était le premier jour, non, de la semaine. C'est ça, hein? Donc ça, ça change. And this has changed. La vraie traduction, c'est ça. The true translation Mais is un this. Sabbat, But a Sabbath, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Now on the Sabbath, very early in the morning, they with other women went with them, came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. Amen. Amen. La Bible dit, the Bible says, ce même jour-là, le sabbat, that day, deux disciples allaient à Emmaüs. On the very same day, two disciples et Jésus va les visiter. Emmaüs, and Jesus will meet them. Amen. Amen. Voilà. Et la parole nous dit, and the word tells us, ce même jour-là, on the same day, le soir, in the evening, Jésus va se présenter à eux. Jesus will introduce himself to them. Donc c'était un sabbat. It was on the Sabbath. Qui est choqué? Who is shocked here? Ah, pardon. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. We are not falsifying the word of God. Oh Seigneur. Oh Lord. Il y a plein d'autres choses qu'on nous a cachées. There are so many things that have been hidden from us. Par exemple, quand on vous a fait croire que la femme est une côte. For instance, you have been told that the woman is a rib. Alors que c'est pas une côte. No, she's not a rib. C'est le côté. No, she's the side. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront. Man will leave his mother and father to go and attach himself to one, wow, to the woman and become one flesh. 1 plus 1 selon Dieu égale 1 plus 1 according to God equals 1. Et faisons 1 divisé par 2, ça fait combien? If we divide 1 by 1, how much is it? 0,5, n'est-ce pas? Voilà. 0.5. La femme est la moitié de l'homme. The woman is the half of the man. Wow. Wow. Seigneur mon Dieu. Lord my God. La parole de Dieu. The word of God. Voilà ce dont tu as besoin. This is what you need. Ce dont j'ai besoin. This is what I need. On nous parle de l'argent. We were told about money. Donnez la dîme, vous serez bénis. You should give your tithe. Mais c'est pas ça le message. No, this is not the message. Venez à l'église, vous serez bénis. Come to the church and you will Mais be blessed. Mais ce n'est pas ça le message. No, this is not the message. Hein? Donnez l'offrande à l'homme de Dieu, vous serez béni. Give an offering to the man of God and you will be blessed. On vous a menti. You have been misled. Vous rentrez dans certains bâtiments d'église, c'est écrit en grand caractère le jour du Seigneur. If you enter in some buildings, you Il y a même eu une émission sur France 2, le jour du Seigneur. Even in the French channel, it oh, is Jésus. A program called the Day of the Lord. Seigneur. Lord. Il faut la révolution. We need to be reformed. Il faut une réforme profonde. Do you need to be deeply reformed? Profonde. We, yes, deeply. Nous devons sortir de nos habitudes religieuses. We need to come out from our religious habits. Sortir des acquis que les hommes nous ont transmis. To come out from what we have been told by men. Pour revenir à la parole véritable. In order to come back to the true word of God. La parole de Dieu. The word of God. Il ne faut plus la falsifier. We should no longer falsify it. Bien sûr, il y a des faux. Les faux vont la falsifier. Obviously, those who are false Frère, will falsify it. Brethren, frères, sœurs. Brethren. La parole, c'est la vie. The word of God is life. La vie. Life. La vie. Life. La vie. Life. Il a dit. He said. Qu'il est le maître du sabbat. He is the master of the Sabbath. Déjà rien que ça. Only Cette this. Parole devait nous faire comprendre que Jésus-Christ ressusciterait en samedi. Only this word will make us understand that Jesus was to be risen on a Sunday. Voyez, non? You see? Rien que ça. Only this word.
Parce que dans Genèse 2 là-bas, c'est 2, le septième jour qu'il a dit c'est bon. It was on the seventh day that he said all is done. Et dans la nouvelle génération, and it's in the new le même Dieu the same God, a dit le septième jour, c'est bon. On the seventh day, all is done. Voilà pourquoi ta foi et ma foi se reposent sur la résurrection. This is why your faith and my faith are based on resurrection. La résurrection. Resurrection. La résurrection. Resurrection. C'est la vie de Dieu. It is the life of God. La résurrection. Resurrection. C'est la puissance de Dieu. It is the power of God. Alléluia. Praise God. La résurrection. Resurrection. C'est la puissance qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous sauve. The power that heals us, saves, sets us free. Jesus. Jésus. Ça fait quoi? You know what? La mort. Death. C'est l'ennemi le plus dangereux de l'homme. It is the greatest enemy of human beings. Le plus dangereux de l'homme. The most dangerous. Tout homme mourra. Everyone shall die. Tout homme mourra. Everyone shall die. Tous les prophètes sont morts. Prophets died. Les grands prophètes sont morts. All the great prophets died. Même ceux qui ont créé des religions sont morts. Even those who created religion. Mais un seul but only one a vaincu la mort. Has defeated death. Jesus. Jésus. Ça veut quoi? You know what? La vie. Life. La résurrection. Resurrection. Engloutit la mort. Takes over. Là où death arrive Jésus. Overcomes death. La mort s'en va. Comes, death comes là out. Où Jésus s'installe. Where Jesus is. La mort s'en va. The death goes. Jesus Christ. Jésus Christ. Il a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Who believes in me will live even if he dies. Je veux dire à quelqu'un ici. I want to tell someone here. Un vrai chrétien. A true Christian. Ne meurt pas. Never dies. Un vrai chrétien. A true Christian. Continue de vivre. Continue living. Hallelujah. Praise God. Un vrai chrétien. A true Christian. N'a pas peur de la mort. Do not fear death. Parce que nous passons de la vie à la vie. Because we go from life to life. Jesus Christ. Jésus Christ. Hallelujah. Praise God. La mort a été vaincue. Death has been defeated. La mort a été engloutie. Death has been overcame. Et Jésus se tient là. And Jesus is standing. Et il donne la vie. And he gives, he's here and giving life. Dans les églises religieuses, in religious churches, il y a la mort. There is death. Prenez le cantique 144. Oh, take the song 144. La, la, and we start singing. La, 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 we start singing. When a demon comes out, we start shaking. Si quelqu'un crie Alléluia, if someone cries out Hallelujah, no, keep quiet, keep quiet. On entend les mouches passer. We can even hear flies. Ils sont bien habillés, ils sont propres. They are well dressed. Il y a du tapis rouge. You can find the red carpet. Des belles chorales. And great choirs. Yeah, and they sing. Alléluia! Praise God. Il y a une belle soutane. They have well cast du gospel. And they sing gospel. Le pasteur. And pastors. Il a son costume et cravate. He has his swan tie. Il a une démarche pastorale. He has a pastoral work. Alléluia! Praise God. Il a son salaire. He has his wage. Il ne faut pas trop bousculer les gens parce qu'il lui donne son, il lui donne un salaire. You shouldn't move people because you have a salary. Il est dans une organisation pastorale avec plusieurs autres pasteurs. He is in a group with many other pastors. Il prépare son enseignement la veille. And he prepares his teaching the day before. Il a une feuille avec le message qu'il doit prêcher. He has a paper with the message that he has to teach, written down. On connaît le programme à l'avance. Mardi, c'est l'intercession. Mercredi, l'enseignement. Jeudi, c'est l'enseignement des femmes. We already know about the program that will happen. Teaching on Tuesday, intercession on Wednesday, or women programs. Ils font des réunions, des affiches avec des photos des pasteurs. Ils disent, venez avec les miracles, vous verrez les miracles. Apportez les malades. They have flyers on which you can see the pastor's image, photograph, and they say that miracle will happen. So come, bring sick people. Le pasteur, il brandit son diplôme théologique. And the pastor has his theological diploma and showing it to people. Il sert Dieu alors que Dieu n'est pas avec lui. He is serving God while God is not with him. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Praise God! Mais quand Jésus la vie vient, when Jesus life comes, 2 mois de conversion seulement, only 2 months of conversion, la sœur psychiatre, elle est transformée. A psychiatrist, she is transformed. Il y
Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, There's ni femme. No Jew, no women, no man, no woman. Car le Saint-Esprit n'est pas une femme ni un homme. Because the Holy Spirit is not a man, nor a woman. Oh, Jesus Christ. Jésus Christ. Hallelujah. Praise God. Il n'y a pas besoin de faire des affiches pour que les gens viennent. We do not have to put our flyers in order for people to come. No, we do not need this. Je vous this. Présente la vie. I'm introducing you life. Jésus. Jesus. Il est beau. He is handsome. Vous avez vu sa couronne? Have you seen his crown? Vous avez vu sa robe? Have you seen his garment? Regardez ses sandales. Look at his shoes. Aucun couturier ne peut confectionner une telle sandale. No one can make the same shoes as he has. Vous avez vu sa robe? Have you seen his garment? Elle est mieux que Jean-Paul Gaultier. It is better than Dolce & Gabbana. Yves Saint Laurent, c'est rien. Or Yves Saint Laurent. À côté, all these brands are nothing next to our Jesus. Du vrai lin. True wool. Quand tu es dedans, when you're tu es ventilé. Amen. You have air conditioning. Vous avez vu les orteils du Seigneur? Have you seen the Lord's feet? Finger, ses pieds, toes, ça brille. Feet, they are shining. Vous avez vu ses yeux? Have you seen his eyes? My God. Ses cheveux? His hair. Une coupe éternelle. A hairstyle, an eternal hairstyle. Mm-hmm. Oh yes. Vous avez vu sa ceinture? Have you seen his belt? Elle brille. It is shining. Son nom c'est Jésus. His name is Jesus. Il est sur son trône. He is seated on his throne. Et il te regarde. And he's looking at you. Il peut toucher des Cambodgiens. He can touch Cambodian people. Il peut toucher des Égyptiens. He can touch Egyptian people. Il peut toucher des Noirs. He can touch black people. Il peut toucher des femmes. He can touch women. Il peut toucher des musulmans. He can touch Muslim people. Il peut toucher des Européens. He can touch European people. Il leur dit à tous, la salle est petite, mais allez là-dedans. He say this place is small, but still come together. Tous là-dedans. All of you come in this place. On fait quoi ici? What are we doing here? Ça, c'est mon Jésus. This is my Jesus. Il peut toucher des personnes âgées. He can touch old people. Des enfants. Children. Qui ne sont pas fatigués. Who are not tired. Ça, c'est Jésus. This is my Jesus. Ce n'est pas ton argent qu'il veut. He doesn't want your money. Non. No.